habitué de faire des castings pour le printemps des associations Colas. C'est pour venir à la rencontre des associations d'art vivant, que ce soit sur du chant, de la danse, de la magie, du théâtre, on a aussi un peu de cirque, enfin voilà. À chaque fois, c'est les talents qui sont présents dans l'école qui viennent s'exprimer. En fait, les Fous de la Rampe, c'est sur la base de théâtre, c'est aussi de la vidéo et qui organise aussi des cérémonies, etc. Je m'appelle Paul Mouraz, je suis dans l'asso musique. En gros, c'est une association qui fait la musique. On est une asso de comédie musicale, c'est la Dreams, STP. Alors la Circa, c'est l'association des arts du cirque de STP. On a créé, Albéric et moi, l'association du cœur de l'ICAM. J'ai monté la sous-danse il y a 3 ans à mon arrivée. Bonjour, je m'appelle Nicolas Fiacre et je suis venu ce soir pour présenter les tours de magie. Bonjour, moi c'est Gaël Meunier, je suis parti de la sous-théâtre avec Maxence Gouin. Il m'a présenté, donc moi c'est Maxence Gouin. Je suis le président de l'asso de théâtre qui existe depuis 2 ans maintenant. Je m'appelle Corentin et je suis le représentant de l'association de magie à Chuy. Du coup, on est l'association de danse moderne de Chuy. On est l'asso breakdance d'Achuy, c'est-à-dire. On fait du hip-hop. Notre association, elle s'appelle Entracte. On fait du théâtre dans Achuy. Mais super motivé. Un peu le track, normal, mais je suis quand même confiant. En vrai, nous, on a juste envie de partager ce qu'on fait avec vous. De prendre du plaisir et de faire le plus de personnes possible. Le petit stress qu'il faut pour être bon. Nerveuse. Un peu stressée. Franchement, stress, mais du stress positif. On les fait monter sur scène une dizaine de minutes. Après, on délibère avec un jury composé d'administratifs de l'école, d'étudiants et aussi de collaborateurs Colas pour déterminer une association qu'on va emmener avec nous sur la grande finale qu'aura lieu en septembre à Paris. Alors ce soir, on va présenter un sketch de 10 minutes avec un juge, un avocat et des jurés. Qui parle ? C'est moi qui parle maintenant ! Le procès concerne donc M. Cavani, ici présent. Moi, ce que je propose, c'est 6 mois pour l'homicide, 8 mois pour le jogging, et 15 ans pour la coupe de cheveux. Moi, je préfère mieux de toute façon. Allez hop, ça, c'est réglé. Moi, de toute façon, j'ai rendez-vous à l'hippopo. Allez, salut. Ce soir, on va vous chanter un petit chant issu du film des choristes. C'est trop court. Il faudra qu'il rajoute. Il manque un peu le rythme. Ouais. Il nous aurait fait du Sardou là, comme la dernière fois. Je peux te dire que là. En fait, on reste un peu sur notre fin. Ouais. Il faudrait. Ouais. Donc là, on va vous présenter la danse qu'on avait fait pendant le gala d'Achuy. C'est une danse qu'on connaît, qu'on aime. C'était la première chorégraphie qu'on a apprise à nos élèves. Sur les 4 prestations, je pense que la breakdance. Mais ils sont les plus nombreux, ils doivent changer plus rapidement de rythme et tout, c'est pas. Pour toi, j'étais les 4, en fait, il y avait même la danse. Vous avez Aujourd'hui, on va avoir un numéro donc, d'abord de Rola Bola, donc par Alice. Après, je vais faire un numéro de Bal et Quentin un numéro de Diabolo.
soir, du coup, on vous présente un spectacle de Jean-Michel Ribes qui s'appelle USA. Ça te fait très plaisir de m'appeler Bob? Très. Moi, ça te fait très plaisir de m'appeler Bob? Ça a le plaisir. Est-ce que tu sais pourquoi tu éprouves du plaisir quand tu danses, quand tu manges un bon steak ou quand tu fais du bateau? Quand je fais du bateau, oui. J'éprouve du plaisir parce que je suis en vacances. Bah moi, c'est pareil pour Bob. J'ai beaucoup d'amitié pour toi et tu me fais un plaisir beaucoup, pour le bien. Il en va de la sécurité des États-Unis. Non, je ne suis pas sûr que le président sentit le sauf. Tu vas bien aussi? Je suis sûr. Ils m'ont dit que d'avoir envie de tuer le président après l'avoir entendu à la télévision était tout à fait normal. Tu ne veux pas le tuer, tu veux le violer. Ah, ils me disent que c'est parce que je suis trop gentil. Tout ce qui m'est c'est pour le poser. Alors, les acteurs, qu'est-ce qu'on peut leur dire un peu, les acteurs? Les acteurs, c'est drôle. En fait, ils ont quand même un talent comique. Ouais, ils ont un truc, ils sont bien. Après, c'était plus le... C'est comment on les voit dans le scénario, peut-être la mise en scène, Alors ce soir, on a préparé deux chorés avec des chanteurs, donc trois danseurs et trois chanteurs. Alors on va vous présenter une pièce, une partie d'une pièce qui s'appelle Toc Toc. Que dois-je faire? Vous ne devez rien vérifier pendant 3 minutes. Oh d'où Jésus! Aignez-vous signer, hein. Bon allez, top chrono. Donc Marie, vous avez vos clés pour rentrer chez vous? Oui, je les ai. Et vous êtes sûre? Oh, absolument sûre. Et sans clé, on ne peut pas ouvrir la porte de son appartement. Et donc on ne peut pas fermer... Le gaz, l'électricité. Hello. C'est cool, qui c'est? Dans l'appartement qui va exploser! Et en fait, je suis très surpris parce que j'en ai jamais entendu parler de l'année. Donc, l'association entre les jeunes qui avaient un t-shirt rouge et une chemise en jean. Très très bon. Je suis venu ce soir pour présenter des tours de magie. Des tours de cartes en close-up, c'est-à-dire que je serai vraiment au corps à corps du public. Donc, vous demandez de choisir une carte, celle que vous voulez. Oui, encore une fois, vous avez montré la carte au reste du public. C'est bon. Très bien. 18. Et vous avez reposé la carte au-dessus du paquet. Et on va la perdre dans le paquet. Et là, je vais couper le paquet, on va dire à peu près ici, parce que je sens que il y a une aura magique dans cette zone. Mais donc, elle devrait se trouver au-dessus du paquet normalement. Ça veut dire que là, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Sauf si je fais encore mon petit truc, on craque les cartes comme ça, et là, j'en ai plus que 4. Que 4, et normalement c'est votre carte qui a disparu. Ah ouais, c'est ça. Alors, bon, pour dire la vérité, elle a pas vraiment disparu. Ah bon? Ah. Non, il y a un truc. En fait, elle est juste devenue invisible. Voilà, si je la prends, elle est là. Elle est ici. Et pour la faire apparaître, c'est pas compliqué, vous demandez, de la lancer dans le paquet. Voilà, très bien. Je vais lancer. Ouais, je vais lancer. Il y avait juste un tout petit truc, c'est que vous avez lancé la carte à l'envers. Du coup, ça va être vraiment très facile de la retrouver, parce que c'est la seule carte qui est dans le sens opposé. On va
après c'était super une super technique. Super technique. Très bon côté showman. Voilà, petit ouais. Côté showman. C'est très abouti. Ouais, c'est... Ce soir je présente un solo et du coup je me sens un peu stressée quand même de danser toute seule. Aurait Tiffany avec elle, ça aurait été différent. Et comme Tiffany est à l'entreprise. Et du coup, on est deux, avec un collègue qui est en train de faire ou réviser sa colle, je sais pas, de maths. On va vous faire voyager à travers le temps, à travers les fils des années. Paul et Marc, il y a vrament du talent, du côté ancien, mais il faut qu'ils travaillent le rythme, les transitions, tout ça, la scénographie. C'est vraiment difficile parce que tout est intéressant. Chaque groupe amène sa richesse, chaque groupe amène sa technicité. En plus, on évalue des arts qui n'ont rien à voir avec les autres. Comparer du chant à du théâtre, c'est pas un exercice facile. Voilà, donc on essaye de faire au mieux, le plus objectivement possible. Il est temps de vous dire qui vous allez devoir soutenir pour la finale. Enfin, qui vous allez devoir soutenir si vous le souhaitez, hein, mais vous allez tous être invités de toute façon à assister à la finale. Les votes ont été serrés. Autre chose déjà, des nouveaux tours, et ça c'est ce qui va être compliqué parce que comme ça faisait un moment que j'en avais pas fait pour ce spectacle, pour le spectacle de ce soir, j'avais vraiment donné mes meilleurs tours, donc pas mal d'heures de travail qui m'attendent pour aller en finale, et ça devrait bien se passer aussi. Super content,
C'est bon passé. C'est bon passé. Soulagé. Gagné. Place. Ah. Ah bah... C'est secret. Ouais, on n'a pas encore décidé soit la même, soit une autre. D'accord, merci. On est en septembre. Merci. Vous nous faites un petit clé de joie. Patrice, ouais. Alors, le programme de la finale, ça va être à peu près sur un modèle similaire à ce qu'on a fait au niveau des castings, où chacune des trois associations qui auront été sélectionnées pour faire partie de la finale auront un temps donné pour nous montrer ce qu'elles savent faire de mieux, nous montrer leur talent, s'exprimer. Et porter haut les couleurs de leur école aussi, parce qu'il y a, un double objectif pour elles. Et là, par contre, alors on a choisi de composer le jury un petit peu différemment, où on va lui donner une coloration un petit peu plus professionnelle, dans le sens où on va faire appel à des professionnels du milieu des arts et du spectacle, pour voilà, sortir un petit peu du principe qu'on avait fait au sein des écoles, où on avait, bah, encore une fois, des personnes des écoles et des collaborateurs de classe, et là, avoir une autre dimension. On espère que ça leur plaira.